troisième. Parce qu'on ne peut pas trimballer tout un peuple dans un contrat de deux individus. On ne peut pas nous prendre en otage. Juridiquement, c'est-à-dire dans un problème, tu bah de ce n'anges à qui en bonne et difforme requête nanga et là qui recevable et fondé bah le écoute donc a fait donc bah invalidé X personne va remplacer na ouerason le ministère public au monde entier autorité morale ya FCC la limite un jour n'est pas membre FCC bah y'a qui ngakati faut tout n'abandon qu'est-ce qui ne va pas avec ouerason. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ouerason? Bazo benga, c'est-à-dire Yamasina Kingasani, bah il faut pas quitter la cour. Bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, votre émission préférée et votre chaîne YouTube Congo Dialogue au besoin de confiance dans vous. Parce que nous sommes toujours à la pointe des informations par nos divers programmes. Il y a des informations d'analyse et qui touchent pratiquement toutes les couches de la population. J'espère que vous êtes sans nul doute à Koyeba, notre dernier numéro que nous avions consacré dans le nouveau gouvernement congolais autour de Benga qui a un record mondial pour un gouvernement effectif. Nous avions analysé avant même que certaines personnes de la même famille politique qui est président de la République, va comment vous réagir. Aujourd'hui, Monique, fils mon coco, réagit. Certaines personnes, parce que fils mon coco, moi, Zanani. Bon, Azala Tina, mais du moment où Awaneko servir UDPS, il avait une importance quelconque. Mais quand il s'oppose, un peu louche, les gens se posent la question, qui est-il? Il semble qu'à Tangate, tout ça. À faire 65 membres, il y a gouvernement, fils Moukoko s'oppose, fils Moukoko monte au créneau pour crier haut et fort que dans un pays où tu as la crise, il y a Makassi, pour tout le monde la crise, on ne pouvait pas s'attendre à un gouvernement de plus de 65 membres. Torezonaki Maramouana, Tolobaki. Nous étions même allés plus loin pour nous détailler les membres qui composent la présidence, qui composent l'assemblée, qui composent la Baramoubele, la structure est belle. On a vu qu'il y a plus de 3000, plus de 4000 personnes qui sont à la prise en charge par le trésor public et puis le salaire n'a pas été inquiété. Alors, fils Moukoko, à cela qui va déclaration, à ce qui va transcender la tendance politique Nabango pour la cause nationale. Alors, FCC semble avoir pris l'avenir du Congo en otage. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, FCC les a toujours un avantage naïe. Et c'est pays ça congolais. Et c'est pays ça congolais. Du moment où le FCC a eu une décision, surtout que Bazali majoritairement n'a assemblé. C'est la raison pour laquelle Tobanda est toujours pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment la population de Akota qui bango? Parce que c'est cette même population-là, mais à l'obra que ces gens-là qui ont la gestion de la République, ils avaient mal géré la République, ils ont volé, pillé le bien de l'État. Mais curieusement, tout le monde a président à la tête, il y a un mot comme Moussoso, à Outina opposition. Et puis, tout le monde a eu un malam, notamment les députés nationaux, les députés provinciaux.
babimi majoritairement de yabato ya camp haute bato balobai que bazo bagirai mabé. Alors FCC azali a 8 pays en otage. Yango eza ko faire pour réfléchir biso. Conscience ya congolais ezali wa kikeyi wa. Parce que makambo ezole kana mboka ezali makambo ya soni ya mawa pe ya pasi kotala réellement ndenge mboka ezali prise en otage par un groupe d'individus. Alors fils Mukoko alobi. Mais tant alobi pour moi, pour nous peut-être na yo mtoto talangai et ni kolo bakke parce qu'il fait partie de l'UDPS. C'est qu'il y a aussi certaines personnes dans le cas de l'UDPS, ils sont mécontents de la manière dont Félix Tshisekedi a soukoumé la Makamuna FCC, mais ils ont le courage à Roloba. Mais fils Mukoko a eu le courage à Roloba. À l'obi, le 30 août, Oyo, il prétend amener le peuple dans la rue parce que le pouvoir est toujours dans la maboko du peuple. Si bien que l'hiérarchie de l'UDPS s'oppose à ce qui marche. Et le fils Mukoko a dit que, à côté de la structure qu'il a créée, il a dénommé armée de bâtisseurs. Avec toute la structure citoyenne, il y a pour que. Baloba non, le gouvernement Oyoyo, ils allient un peu au gouvernement à Lokoso, un gouvernement qui déborde largement le nombre. Il y a Batouné, Baroué, qui s'attendent le nombre, il y a le ministère qui fait à la place. Mais la marche qu'il prétend, qu'on ça le 30 août, structure, hiérarchie plutôt, il y a UDPS, dit ne pas informer, autoriser à monter. Pour que Marchouana et Salamame, fils Mukoko Alobi, avec l'armée des bâtisseurs, ils vont descendre dans la rue avec tout le peuple au Barolinga, Baya, Pombaloba, non au gouvernement. N'est-ce pas là, Toru Kobenga, un mot déjà, une rébellion, et c'est Kotina Katia UDPS, tout et c'est Kota qui depuis Kala, mais Batu Bazala qui est un peu, n'a courage à Kolobate, mais aujourd'hui, l'un d'eux, Amérique Obini, ça peut être déjà dans Mungongo à Nicolo, et ça mon fils Mukoko. Parce que, dans le bateau, il y a que marche on les a reconnus. Et nous, quand on a que fils Mukoko a été considéré comme rebelle. Azali a été à l'encontre. Il y a idéologie, il y a structure, il y a parti naïe, oyoyo, et colissier. Mais lui prétend défendre les vrais idéaux. Oyo, papa naïe, Étienne Tshisekedi, papa naïe sur le plan, il y a idéologie. À la Kisakie, et il demande si le président Félix Antoine Tshisekedi veut vraiment être libre et libérer ce pays de la captivité de griffes, de fauves, de FCC. Il n'a vu qu'à laisser plutôt le secrétaire général Bassala va faire courante pour qu'à la fin de l'année, Bamikako dissoudre ensemble. Est-ce que le FCC allait être partie prenante dans la décision, on a question mark. C'est pourquoi toujours que mon cannabis to ébité scène ni toza comme on a épisode ni ni théâtre de chenou au nakati amouka toza pour vivre. Mais c'est malheureux que nous sommes en train y a cause là toujours victime y a bah intérêt égoïste y a bah homme politique au yo yo bah y a vers biso au senga électorat. Mais quand ils sont élus, ce sont les mêmes personnes au Bazali. Ou basali quasiment kotia bah intérêt à la population dans les oubliettes. Suivant un peu le déclaration, le propos des fils Mukoko, Oyasala qui face à la presse. Et on se retrouve juste après pour conclure. Mais si Torotia bah élément, nous on n'aura pas à beaucoup parler. Mais ezali exercice yangai na yo en tant que Congolais, Tomikako Lamuka, pour nous sauver notre pays. Suivant fils Mukoko, on se retrouve juste après. Apparemment, ils ont déjà signé leurs histoires là. Mais nous devons nous mettre debout, vaut mieux tard que jamais. Je lance l'appel à tous les gens que le 30
qu'ils me soutiennent, ils vont voir, je vais amener le peuple dans la rue. Potope Sabango mise en garde que le peuple sera souverain, sera au Babengi debout. Le peuple a abandonné là-bas, conseil des ministres. Le peuple ne va pas accepter les distractions. Vous comprenez? Quand vous voyez, il y a des choses où ils ont se passé, il y a un ministre qui a sorti la femme là. Comment il a exécuté la décision du président? Maintenant, avec cette histoire, c'est bloquer la machine. C'est pour cela que j'appelle le peuple congolais de transcender les partis politiques, de voir la cause nationale maintenant. Le pays, le président est en danger parce que la classe politique là, nous devons maintenant nous mettre debout. Moutoutoua Goyoka appelle au peuple congolais que les 30 c'est une marche, non des polémiques, mais une marche au Togoloba. Oui à la bonne gouvernance, non à un gouvernement corrompu. La marche du 30, c'est la marche au Nalobi, une marche citoyenne. On a lancé en tant qu'un patriote. Et je serai soutenu par l'armée des bâtisseurs et d'autres, tous les mouvements, tous les mouvements citoyens. Il y a l'ambassade, tous les mouvements citoyens. Oyo, Balinga, Kongwe, Liboso. Ils doivent me. Attendez-moi. J'ai dit ici, vous avez vu le drapeau de l'UDPS ici. C'était l'armée des bâtisseurs. Ne m'amenez pas dans un terrain de polémique. Un citoyen a droit de demander d'informer qu'il va manifester. Je lance l'appel à tout celui qui est disponible à venir à cette manifestation parce que ce gouvernement ici ne va pas mettre. Ce gouvernement ici. Il y a des Jacobés en prison dont Tambwe Mwamba bloque nos combattants. Maintenant, on va voir encore ministre Nsou, il y a justice, il y a Kabila. Personnellement, si j'étais président, on doit revoir même le salaire. Là-bas. On a vu Clinton, je crois bien que les premiers mois, le salaire n'a pas quitté. Le ministre a dit qu'il n'y a pas de salaire. C'est un gouvernement dans la situation de crise actuelle. Jamais. Moi, je m'attendais à un gouvernement de 30 ministres, peut-être. Je m'attendais à ça. Personnellement, ces gens, Bato Bakendai, qu'on négociait Wana, quand ils ont vu ça, il fallait babima la salle. Bayaba et sa présidente qui laissait les secrétaires généraux, Bassa la affaire courante, jusqu'à la fin de l'année, au Boma Parlement. Normalement. Président, à un moment où Nengezawana, vous savez, en politique, il y a des décisions qui s'imposent. Si le président veut changer le Congo, il n'a qu'à dissoudre ses parlements. Qui ne risque rien n'a rien. Je dis, je vous remercie. Les IDPS, Je vais répondre à ma question entre les deux photos et les deux leaders. Qui va s'amaliba au bandeau Kobenga et machine F. Et Tisekedi au bandeau Kobenga et Titi. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Tous les gens ont honneur, mais il y a un bon billet pour aller au prochainement. Parce que nous sommes en train de faire un travail. Oh, Baloba, il y a quoi investir dans l'homme. Nous avons entendu d'autres partis politiques. Batouba, au moins, que l'UDPS, ce n'est rien qu'un parti de masse. Or, qu'à l'UDPS, nous ne voulons pas faire ça très haut. Oh, Batoumissouba, l'Ingaraba, Betelangombunda, le quoi, Zénith, non, Olympia. Mais nous formons nos combattants dans le silence. Mon peuple meurt à cause de l'ignorance. C'est ce qu'un politicien disait, il faut investir dans l'homme. Là, je vois Zahid Ngoma, que son âme repose en paix. Ce que nous sommes en train de faire,
Nous sommes en train d'investir dans l'homme. Tous les tons de sa moutou, pas comme un moutou. Dans le moment où l'armée des bâtisseurs viva. Viva! Adieu! Viva! Viva! Merci. Tous les honneurs qui va assister Bissot. Na moko ya bakambi ya fondation ki ba samaliba. Mais a ko prepare po ya ko loba na biso prochainement oye paza nango par rapport na makambo etali lutte contre la pauvreté. Kombo na ye Mimbu Mbenze Pichu me ba benga ke na politique Madiba. Madiba c'est-à-dire Mandela. Aza secrétaire général il y a fondation qui va s'amaliba va l'air à télémi, vous mettez les mabouko, s'il vous plaît. Liberté, viva! Viva! Liberté, ça viva! Viva! Aucun dé. Adieu, viva! Viva! Merci. Il est le secrétaire général de la fondation qui va s'amaliba. Bato ebele ba ozelanga na loba. Soki na lobi pe bazo ningana, que ça soit au toza na bango na cash. Quand tu vois les gens devenir les mires à écho, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, qui se sent mauvais, se mouche. Libanga ba voit qui, na molili soko te aïe. C'est que Zayo. Ba komi kotinda. O ba bengi. Ba sankara politique na bango. Ba ya koloba. Ke fils moukoko n'a pas étudié. So ki français na ebite. O bango ba loba. So ki ba tinda kotanga on a lolae. Toye ba raté. Na ebipete so ki français. E mema ba so so na banzungwa ba congolais. Mais, bazabana. C'est-à-dire, il y a des gens, oh, boyoka qui va soi-disant, ce qui va berin quelque chose. Va répondre à qui? Mais, autorité morale, na bango le sénateur à vie. Kabila, a kenda ki ka e pa oaza mo konzambo ka fati, bo bete la fati ma bo mata. Pauvreté morale est en beaucoup. Pauvreté morale est en ne pas battu à FCC, ne papa Freddy Alou. Pour Bango, mentalité na Bango est en train de Zambon ou à l'état que commissaire on est à poche na Bango. Ils ont déjà pauvreté morale. Mais les hommes à Rambou, oh, vous osez là. 65 ministres. Dans un pays en crise, un bon citoyen doit garder silence. Je ne crois pas qu'un bon citoyen doit garder silence. Martin Luther King a l'oba bouillé. Il dépêche viva. Viva. Un peuple, le peuple qui garde silence dans des choses graves, c'est Kalinimbo Kanaï. On a vu. Dans Senko, l'herbe à toi, Kabila, Babanda, Kolinga, Kosaka, en abysse opposition. Le secrétaire général Jean-Marc Kaboun a bétané Messa, a Bima Libanda, à Lobby. Je ne vais pas signer ces histoires. Mais cette fois-ci, je ne comprends pas. Le FCC veut avoir au Babengi la part du lion. Mais Babeti n'a Messa que pour Babi. Et ça met tout un peuple mal à l'aise. Kabila voir le ministère de la justice. Est-ce que bah, ça, la justice lobby pour na Rossi? Parce que le ministre Anaza, Moutou, il y a Kabila. Le parlement debout étant devenu le parlement des flatteurs. Surtout le président du parlement debout. Excusez-moi les termes.
Au lieu de faire le Parlement debout de l'idéal, le président du Parlement debout, Bazo Pesa, le parlementaire debout, de mauvaises informations. Un ministre de la justice de Kabila va-t-il mettre sur sa table le dossier de Chebeya? Posez-vous cette question. Le temps de la révolution est venu. Les deux personnes que vous voyez là, ça là combat. Ils ont refusé d'autres occasions de pouvoir. Vous allez signer un contrat d'un gouvernement pareil, portefeuille à Kabila. Mine, justice, défense, Mindouki na Kabila. Je sais que là où même Tshisekedi est là, il est en train de pleurer même s'il est mort. L'armée des bâtisseurs doit sauver l'IDPS. L'armée des bâtisseurs, viva! Viva! ABD, viva! Viva! ABD, viva! 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 Debout Congolais, la Phénix est maintenant debout le noir. Merci beaucoup pour ma vie. Ces gouvernements, nous allons les mettre mal à l'aise. Parce que le peuple a zana quantité. C'est pour cela, tant que citoyen congolais, considérant que toutes les actions onazo lingana impliquées, mes amis parlementaires debout, parce que copé sabango ben tox pour Barcelone et Salamate, j'annonce que le vendredi 30 août, nous en marche. Nous avons un moyen de faire ça marche dans tous les Congo. La fois passée, parce qu'il n'y avait pas de moyens, c'est pour cela qu'on ne va pas en guerre pour échouer. Le vendredi 30 août, nous en marche. Motif, il y a marche, Juana. Il y a un Sabino Lissousou. Oh, Azolinga Salaboui. Non. Motif à marche, Wana, et ça pour avertir aux soi-disant ministres. Ne touchez pas à l'argent de l'État. Oh, ça pour abéta ma beaucoup. Le vendredi 30 août, c'est une marche pacifique. Je vais donner à la presse les images de mon secrétaire général, le 37e anniversaire. Il y a eu des pèses, mon parti, au Alobakike. Même ton commun à pouvoir, tu continuer dans ma marche jusqu'à ce qu'un état de droit va se rétablir. Les images pour la rater, je vais vous donner ces images. Les 30, c'est une marche pour avertir Nabato Bazo qui n'est pas un marabout, comme un ministre. Quand vous allez négocier là-bas, mais sachez très bien, le peuple va faire ce qu'on appelle une surveillance citoyenne. Oaza pour Abetamabo. On a vu des mouvements citoyens, il y a 10 personnes dans la action. Mais l'armée des bâtisseurs est partout dans le Congo. On va marcher dans de nombreux Tozan Anzela. Dès demain, l'être Rokota déjà pour informer les autorités. Ils vont dire, il est qui pour demander? Je suis le fils de Tshisekedi de Kibasi. Je suis un citoyen congolais. Constitution Lobaka a été parti politique. Constitution Lobaka, tout citoyen qui veut manifester, il informe les autorités pour encadrer conformément à l'article 26. L'armée des bâtisseurs te lançait atelier Oyo. Tu as eu un franc ou un dollar, il y a président. Allez demander là-bas. Mais tu as dit à mon amour, tu as que Fatih ne puisse pas échouer.
Batoyo, maloba nangezo pesa bango, mal à l'aise. Moutakou fata mona. Boko mona gake bako simba bango. Na mafuta ya mbongo ya peple. Kalate, kalate. Maye lingana rapambate. Je n'ai pas le temps de répondre à ma fanatique na bango. Moi je suis un acteur politique. Des fois, bah, tu vas cancer, les trolls, politique, na lingala, ne tu sautes autant gâte. Na Chine, bah, ça n'aura jamais politique, na bah, on a français. Je comprends même que na comme populaire parce que je parle en lingala. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Je me dis même que le jour qu'un jour, si Dieu me fait grâce comme président de la République, je commencerai à parler à Lingala et au Basalinga, interprète à Zana en français, pour valoriser notre langue. Ministère de la Défense. Kabila Zana Sénat. Kabila Azana va venir à l'Assemblée nationale. Mais Kabila Zangi peuple. Le peuple, Azana hémicycle, moko place, il y a Kenda Koloba. C'est la rue. C'est dans la rue que le peuple s'exprime. C'est dans la rue que le peuple a l'obisa Kengo na Lingala. Et ça a été. Le vendredi 30. Nous allons faire une marche pour avertir aux fameux ministres là. Nous voulons la bonne gouvernance. À tous mes amis de l'armée des bâtisseurs, au Bazalia, pour que ça va comme on a vu dans la liste, pour tout ça l'afficher. Tout le monde en a vu dans le sous-sous le jeudi. Tous en a besoin, tous bandao va venir préparation et fatiguer. Nous devons descendre dans la base. Équipe Yaba, il y a comité national et armée des bâtisseurs. Dès que nous avons aussi accordé, interview, va commenter pour vous faire sa bango contact pour tout le monde planifier. L'IDPS n'est pas limité. L'IDPS est dans la base. Nous devons préparer fatigué. Vaut mieux prévoir que guérir. Nous devons préparer fatigué. Nous devons expliquer au peuple situation. Il y a majorité à Kabila. Et ça faut une abysse au pays de PES. On avait trompé au peuple. Naba basé un mapa. Naba 5000 francs. Bako sagi peuple. Nous devons travailler. Parce que nous devons travailler. Les gens veulent. Il dépasse viva. Viva. Bonjour Salamabe. Bon fouté, balingi na bomba ngofona, na na sala na ba on a cité de loya, na na loba na osalate. Maintenant tina na na loba na osalate yango. Bazo comprendre te pourquoi ben information zoe langa, comment zoe lai. Bon wa l'État, bon comme qu'on crée ba société fictive. Baloba, baloba, dans ce pays, il n'y a personne qui est supérieur au peuple congolais. Même Fatih est au-dessus du peuple congolais. C'est le peuple qui est souverain. Bon, je vais te mettre ma case. Voilà. Pas trop de commentaires, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur. Je crois que vous avez suivi ensemble avec moi le propos tenu par ce membre de l'UDPS. Qui est fils de Coco, qui a longtemps œuvré et qui continue à œuvrer jusque-là, puisque lui,
aza koloba ke babengani ete selon certaines sources wa bika babengani na une des pièces balingé cité mais nous soit lui par ses propos dit que Azali toujours partie prenante il y a UDPS mais Bolandi va propos naïe ce sont de propos autorobien on va propos moko incendiaire où certaines autorités il y a partie naïe va vous épeler pour tout ça bah tout yebi comme ça la banalise on est congolais tout yebi que le congolais pour avoir intérêt na bango bah il n'a qu'à monter mon soir pour tout fêter. Et voilà que fils Moukoko est monté au créneau pour dire non à ce gouvernement et demande au président Félix Antoine Félix Tshisekedi Yako Zoua le devant en tant que chef de l'État pour dire non à Bamaka Moussou Souza ou les Kanamoka. Et fils Moukoko est encore allé plus loin pour dire que lors de la négociation Moussou Salamaka avant les élections, Oyo, le cadre a eu des pestes et Mouna Kiko Bakoka a signé papier. Télémaki et Babeta qui table Baba et pourquoi est-ce que dans ma négociation pour mettre en place le gouvernement le Peter Kazadi cette fois-ci n'ont pas pu dire non face à ce gouvernement où ils allaient gouvernement Moko Boye et est vraiment sur le total ils allaient vraiment et est pendant pour la cause bimisa peuple congolais n'a difficulté à Zakinamote, mais ayez beaucoup plus pour Nakoluka, avantage, personnel, positionnement, politique personnel. Je crois Bolandi, Nangaye Longo, on n'a pas vraiment à trop commenter là-dessus. Les images, Emile Obeleli Yangomoko, les propos, et ça va propos, il y a fils Moukoko. Nous, coup de projecteur, on a seulement donné la lumière, et on vous laisse aussi le temps, vous, en tant que compatriotes congolais, de mettre vos idées et de faire tourner votre tête deux fois et pour que nous arrivions à pouvoir tirer notre pays de ce grand trou noir dans lequel nous nous trouvons et entre le griffe de ces fauves qui sont le cadre de FCC. Madame Francine Gembe, merci. Merci à tous mes fidèles abonnés à coup de projecteur précisément de et de la chaîne YouTube Congo Dialogue. On se retrouve très prochainement avec d'autres analyses car le Congo nous appartient tous. Que Dieu bénisse le Congo.